Il existe deux versions de Scratch, une version en ligne qui nous permet de travailler en ligne sans télécharger et installer Scratch sur nos ordinateurs, et une version desktop qui nécessite à l'utilisateur de télécharger et installer une version de Scratch sur son ordinateur. Pour installer une version de Scratch ou travailler en ligne, il faut taper l'adresse suivante sur votre navigateur pour atteindre la page web du site officiel de Scratch. Puis, pour télécharger une version de Scratch, il faut défiler la page pour chercher le lien télécharger directement. Quand vous cliquez sur ce lien, ça va ouvrir la boîte de dialogue qui va vous permettre d'enregistrer une copie de Scratch sur votre ordinateur. Quand je clique sur Enregistrer le fichier, ça va lancer le téléchargement de Scratch sur votre ordinateur. Lorsque le programme de téléchargement de Scratch est terminé, il faut aller sur le dossier téléchargement pour chercher la version de Scratch enregistrée sur votre ordinateur. Ensuite, pour lancer l'installation de Scratch, il suffit de double-cliquer sur le programme d'installation de Scratch. Il va afficher une boîte de dialogue pour lancer l'exécution de l'installateur de Scratch. Je clique sur le bouton exécuter pour passer à l'étape suivante de l'installation. Ici, puisque j'ai plusieurs sessions sur mon ordinateur, il me demande si je veux autoriser à tous les utilisateurs de mon ordinateur d'utiliser Scratch. Donc, je prends cette option et je clique sur le bouton installer. L'installation est en cours d'exécution. Ça y est, on a terminé d'installer Scratch. Puisque cette option elle est cochée, donc ça va lancer le programme Scratch sur mon ordinateur dès que je clique sur le bouton fermer. Je clique sur le bouton fermer et voilà, l'outil Scratch est lancé directement. Maintenant, si je veux travailler en ligne sans télécharger et installer une version de Scratch, il faut revenir sur la page web du site officiel de Scratch en bien sûr ouvrant l'adresse suivante, d'accord, et cliquer sur le bouton Créer. Bon, j'attends que l'interface de Scratch soit téléchargée sur mon navigateur. Vous pouvez même accéder à l'interface en ligne de Scratch avec vos téléphones portables et tablettes sans avoir besoin d'un ordinateur. Et voilà, l'interface de Scratch est affichée sur l'écran de mon ordinateur en me présentant des tutoriels de prise en main qui facilite à l'utilisateur de cet outil à apprendre à programmer avec Scratch. Dans ce tutoriel, on a téléchargé la version 3 de Scratch. Je vais vous parler un petit peu sur cette version. La version 3 présente plusieurs avantages par rapport aux versions précédentes. Elle comporte un éditeur et un lecteur programmés en JavaScript et les éléments graphiques, sauf la scène, sont programmés avec HTML5 et CSS3, ce qui permet à Scratch d'être compatible avec les appareils mobiles tels que les téléphones portables ou les tablettes. Ça veut dire que vous pouvez ouvrir l'interface de Scratch sur vos smartphones ou sur vos tablettes et vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur pour travailler avec Scratch. En plus de ça, cette version ne nécessite aucune installation de programme ou plugin au navigateur, au contraire de la version 2.0 de Scratch qui nécessitait Adobe Flash Player ou Adobe Air. En sus, de nouveaux blocs ont été ajoutés et de nouveaux costumes vecteurs ont été créés spécialement pour la version Scratch 3.0. Et là, on va de même pour les sons. De nouveaux sons ont été ajoutés dans la bibliothèque des sons disponibles.